Et à tout à tout. Mettez d'atou. Et tout tout le monde est tout. T'as pas de tout et tout, il faut le voir. Hein? Hé? Parimé que t'as pas de tout. T'as tout le monde est tout. T'as pas de 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 tout. Parimé que t'as pas de tout. O tau te mou manihini te ki tau hio, te tamai, pari tō mai te tāp o te roho. Ta tau pa ato o te roho ia rahi. E na mua roa at pari tene o te whenua, pari tō mai te tāp o te roho. No mātou nei. O tau te mou mero o te hau whenua, te anihe ato nei ui o tau, pari tō mai o tau tō mātou tāp o whātura e roho o tau. Ere matou te tumu te iefifi e tupur. Ere tatou te tumu. Je déclare la séance ouverte. Madame le secrétaire général, pouvez-vous donner lecture de la lettre de convocation? Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 11 septembre 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session budgétaire le jeudi 18 septembre 2008 à 9h, je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Oscar Manotin-Temaru. Quelle date nous sommes aujourd'hui? Ah, il est quelle heure? Bien. Donc, on fait constater que ce n'est pas de notre fait qu'il y ait eu ce retard. Pouvez-vous donner lecture donc des représentants et faire l'appel des représentants? Présent, s'il vous plaît. Madame Algon-Emma, présente. Monsieur Bertolon Nicolas, présent. Madame Bob Dupont-Tamara, absent. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présent. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Chave-Daphné, présente. Madame Cross-Valentina, absente. Monsieur Drolet-Jacqui, absent. Monsieur Flos-Gaston, absent. Madame Frébeau-Jouel, présente. Monsieur Frébeau-Pierre, absent. Monsieur Fritsch-Edouard, absent. Madame Fuller-Tilda, présente. Madame Galnor-Minari, absent. Monsieur Giro-Santoni, absent. Monsieur Anderson-George, absent. Madame Hirschon-Unutea, absente. Madame Iriti-Teura, absente. Madame Isa-Leifara, présente. Monsieur Corté-Benoît, présent. Monsieur Convoitini-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, présent. Monsieur Mamatoua Yahutapou Victor, absent. Madame Maïtere Maria, présente. Madame Manouté Léviagami Sandra, présente. Madame Maraya Emma, présente. Monsieur Maraoura Teina, absent. Madame Marie Teragi Meiroto Liliane, présente. Madame Mataoua Léoni, présente. Madame Mati Juliana, absente. Madame Olivier Marise, absente. Madame Opa Annick, absente. Madame Parker Eleanor, présente. Monsieur Porliete Ikinoui, présent. Monsieur Rapoto Jean-Marie, absent. Madame Richton Monique, absente. Monsieur Rivetta Frédéric, absent. Monsieur Rofristeva, absent. Madame Aïna Sage, présente. Monsieur Salmon James, absent. Monsieur Gilles Philippe, présent. Madame Tarietta Chantal, absente. Madame Tamar Françoise, absent. Monsieur Tonso Robert, présent. Monsieur Chumino Tunghi, absent. Présent. Présent. Monsieur Tefarere Hirohiti, présent. Monsieur Temaru Oscar, absent. Monsieur Temeharo René, absent. Monsieur Teripayamita, présent. Madame Teruatia Sylviane, présent. Madame Titonu Lana, absent. Madame Teura Justine, présente. Madame Monsieur Touahou Ismaël, absent. Madame Tuchobia Catherine, absent. Madame Vernodon Béatrice, présente. Madame Viriam Ouélis, présente. Monsieur Yves Michel, absent. Madame, Monsieur le Président, il y a... Pouvez-vous donner lecture des procurations? Alors, Monsieur le Président, nous avons reçu la procuration de Monsieur Teina Mareoura à Madame Parker Elanor, de Monsieur Michel Yip à Monsieur Hirohiti Tefarere, et une dernière procuration de Madame Élise Viriam. Bien, ça fait combien de membres présents? 27. 27 présents. Monsieur Bouissou, vous voulez intervenir rapidement? Je vous donne l'occasion d'intervenir.
Merci, Monsieur le Président, le troisième vice-président de l'Assemblée. Nous vous remercions pour avoir pris les choses en main afin que nous puissions enfin, à 10h45, ouvrir cette séance en l'absence, bien évidemment, de l'UDSP. Nous avons l'habitude d'avoir une opposition, j'allais dire fantôme, mais enfin le terme est tellement fort, disant absente. Dans le déroulement normal des réunions de notre Assemblée. Et je voudrais saluer, bien sûr, la présence de notre président, du vice-président, mesdames et messieurs les ministres, les amis collaborateurs et collaboratrices ici présents, de même que les collègues de la majorité ici présents ou représentés. Et je voudrais également saluer le public qui s'est déplacé notamment pour cette ouverture de session budgétaire ô combien important pour notre pays, puisque nous attendions le discours du président de gouvernement. Et vous savez que le règlement intérieur prévoit maintenant de pouvoir débattre, et c'était le moment opportun avec la télévision, de pouvoir débattre sur des sujets qui concernent la vie économique et sociale de la Polynésie française. Donc ça n'est que partie remise et nous nous retrouverons donc normalement demain matin pour cela. Mais, Monsieur le Président, si vous me donnez juste 5 minutes. Nous souhaitions tenir une conférence de presse juste après. On va le faire tout de suite, non pas sous forme d'une conférence de presse, mais d'une déclaration solennelle de la part de la majorité. Je m'explique. Cela fait maintenant un certain nombre de semaines que l'opposition fait circuler des rumeurs sur l'instabilité politique, sur l'instabilité de notre majorité. Et nous comprenons qu'à l'approche des élections sénatoriales, le fait de faire croire que cette majorité est tangente, voire même susceptible d'être retournée, cela amène certains candidats à croire que ce serait peut-être plus facile d'obtenir des voix de la part des grands électeurs. Donc je vais vous faire une lecture d'une motion de confiance que nous avons tous signée, y compris Monsieur Yip, qui est absent et qui est actuellement à Shenzhen, et nous avons sa lettre, et de même que sa signature sur la motion de confiance que je vais vous lire pour dire à notre président, au vice-président et à l'ensemble du gouvernement notre solidarité, notre confiance et notre soutien par rapport à son gouvernement et aux actions du gouvernement. Les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, membres des groupes Totatoaia et Te Mana o Te Momotu, souhaitent réaffirmer solennellement leur entier soutien au gouvernement mené par le président Tang Song, élu selon les vœux de la population. Les représentants s'associent à l'action gouvernementale menée dans le cadre du programme électoral de Totatoaia par M. Gaston Tang Song pour mener à bien l'avenir de notre pays. Ils souhaitent également lui renouveler leur volonté de travailler au sein de cette Assemblée afin de faire aboutir les réglementations et budgets nécessaires à cette action. Ceci dans le cadre d'une collaboration responsable et réfléchie à la lumière des valeurs prônées par Totatoaia lors de la campagne des dernières élections territoriales. Nous savons le gouvernement à même de résorber l'instabilité chronique qui a mené notre pays dans une situation socio-économique grave et qu'il convient de résoudre rapidement pour le bien-être de notre population. Notre majorité est unie, solidaire et compte mener à terme de ce mandat pour l'avenir de notre jeunesse, de nos enfants et de notre pays. Monsieur le Président, merci. Et cette motion de confiance a été signée par les 29 représentants de la majorité Totatoaia et Te Mana o Te Momotu. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président du groupe Totatoaia. Il était normal que vous fassiez cette déclaration au minimum. Donc, conformément à l'article 122 de la loi organique portant statut d'autonomie, dès lors que le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, cette séance est repoussée à demain.
Je reporte donc nos travaux à demain matin, 9 heures. Oui, monsieur le président du pays. Merci, monsieur le président. 20 minutes. Oui, juste une minute avant de se retrouver dans la séance de demain. Je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du vice-président, de l'ensemble des ministres, en mon nom personnel, vous exprimer toute, j'allais dire, le sentiment que peut exprimer un président à cette heure-ci lorsque la majorité à l'Assemblée de Polynésie française lui témoigne de toute sa confiance, de toute sa solidarité au moment difficile, au moment où le pays affronte les plus grandes difficultés de sa vie. Cet élan des élus de l'Assemblée de Polynésie française me touche au plus profond de moi-même. J'ai rencontré le président de l'Assemblée de Polynésie française avant l'ouverture de cette séance pour lui proposer, par souci d'apaisement, pour que le mot paix ait réellement une signification pour nous, pour l'Assemblée et pour toute notre population. J'ai simplement voulu dire, de proposer à l'Assemblée de Polynésie française, au président de l'Assemblée de Polynésie française, pour éviter de troubler en fait l'ambiance, le climat, où on a besoin de sérénité, on a besoin de se poser, de se calmer, compte tenu des échéances électorales de dimanche pour les élections sénatoriales. Je veux profiter de cette tribune pour pouvoir faire campagne pour ces sénatoriales. Je lui ai simplement proposé de reporter notre séance à mardi, la semaine prochaine, justement pour garantir cette sérénité, cette paix dont on a énormément besoin. Je constate que ce matin, ma proposition n'a pas été retenue. Et à demain, je vous propose de nous retrouver demain où je livrerai l'ensemble de mon discours, de mes messages. Je voudrais adresser à vous en premier, à nos grands électeurs certainement et surtout à la population. Merci. Merci, monsieur le président. C'est tout à votre honneur d'avoir fait cette proposition des plus sages. Avant de renvoyer donc la séance à demain, moi aussi j'ai simplement un mot à adresser à tous ceux et toutes celles qui nous disent « Faites travailler votre mémoire. Faites travailler votre mémoire. Et espérons que le cycle biologique des choses va reprendre sa place. Rendez-vous lundi matin. Demain matin pour nous et lundi matin pour le cycle biologique. » À demain.